Salut l'Afrique, je salue tout le monde. Alors, on était en réunion tout à l'heure pour la préparation de notre événement du 10 décembre pour honorer le président de la République du Sénégal, monsieur le président Macky Sall. Actuellement, je suis avec de très grands messieurs. Je les laisse se présenter. Didier. Alors, je suis Didier Bouti. Donc, nous sommes en plein préparatif de cet événement du 8 décembre pour honorer le chef de l'État. Du 8 décembre, je parle du 8 décembre, effectivement. Pour honorer le chef de l'État du Sénégal, M. Macky Sall. Alors, donc, lors de cet événement, nous voulons vraiment que la diaspora soit vraiment multiple et nombreuse afin de, que cet événement soit une réussite. Donc, nous sommes en cours de préparation. On a une réunion aujourd'hui, les réunions vont se poursuivre au fur et à mesure. Moi, j'essaye de, au cours de cet événement, essayer de coordonner en fait tous les intervenants de cet événement, les participants. Donc, venez nombreux, parce que ça sera une belle fête. Donc, nous mettons tout en œuvre afin que ceux qui sont intéressés par l'Afrique, ceux qui sont intéressés par le Sénégal, l'investir au Sénégal, sur l'économie du Sénégal, vous serez les bienvenus afin de voir quelles sont les opportunités que le Sénégal peut présenter, quelles sont les opportunités que le Sénégal offre à, à ses enfants africains, à ses enfants d'outre-mer, la Guyane et autres. Donc on vous attend éventuellement. Donc je dirais à Saint-Plice que je t'appellerai au cours de la semaine afin qu'on puisse faire une autre réunion, peut-être d'ici jeudi ou vendredi, parce que le 10 décembre ça arrive très vite. Les jours vont très vite, donc il faudrait vraiment qu'on puisse y mettre d'arrache-pied afin que cela se fasse le plus naturellement possible. Donc je peux te donner la parole. Ok, ben, je suis Saint-Pice Agnimo, journaliste reporter pour la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle aussi à Issy-les-Moulineaux. Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio FM en région parisienne, 106.3 FM. Voilà, chaque dimanche, nous présentons l'émission JD Info, où Mouna Johnson est déjà passée. Et elle est avec M. Didier Bouti du Congo-Brazzaville. Moi, c'est Saint-Pice Agnimo de la Côte d'Ivoire. Notre ami Fung Vessé de la Guyane. Donc, c'est toute la diaspora afro réunie. Nous allons essayer de faire du mieux possible pour que ce soit une réussite pour la promotion du Sénégal et à travers le Sénégal, le président Macky Sall. Et puis, éventuellement, toute l'Afrique. Et je suis donc avec le frère de la Guyane, Franck Vessé, qui est un homme d'affaires, entrepreneur, et qui est très investi dans tout ce qui est business au niveau de l'Afrique, et même de l'Europe aussi. Il va essayer avec nous pour l'événement. Alors, Franck, je te passe la parole. Oui, alors, Franck Vessé, stratégiste prospectiviste. Donc, j'ai beaucoup apprécié notre réunion de travail donc sur le plan business, affaires, orienté donc sur l'Afrique, particulièrement le Sénégal. Et puis bien sûr l'ouverture Côte d'Ivoire, donc la sous-région ouest africaine. Alors il faut savoir effectivement, j'ai créé une holding qui s'appelle la FVRC Holding et notamment président de l'association internationale Promo Invest Guyane Europe. Et je m'investis sur le plan de tout ce qui est concept, conception, développement, expertise sur l'Afrique depuis quasiment 15 ans. Et je pense qu'avec le projet de document d'études stratégiques de relance socio-économique que j'ai créé pour la Côte d'Ivoire et la sous-région avec une cinquantaine de personnes, notamment des institutions, je pense que ce projet pourrait tout à être commercialisé pour les gouvernements donc, au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement le Sénégal que vous m'avez parlé et qui est un pays très intéressant, stratégique et où il y a pas mal d'opportunités, de choses à développer. Donc c'était vraiment un plaisir pour nous et puis bon ben voilà. Et je voulais remercier Mouna. Aussi tous les participants qui ont su m'aider dans cet événement. Je remercie Didier, vous qui êtes là. Je vous remercie de tout cœur. Et puis alors Monsieur Dadou aussi, le président des Prud'hommes, Richard Fall et Jean-Pierre Kassou. Et tout ça, il y aura des Chinois, il y aura tout le monde, tout ce qu'ils veulent. Investir dans notre pays, au Sénégal, nous vous donnons la main avec un cœur d'or. Et ça va être une soirée vraiment professionnelle de haut niveau. Ce n'est pas du n'importe quoi. Affaire d'honorer le président de la République, c'est parce qu'il a du mérite. C'est pour ça que nous tous, on se mobilise parce qu'on reconnaît qu'il a du mérite. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui le président. Il est président de la République du Sénégal et en même temps président des
L'Union africaine. Oui. Et ça, c'est pas du c'est, il faut être vraiment une personne de vraiment très très douée pour qu'on vous classe de cette catégorie-là. Et je vous remercie. Et il y a une dame aussi. Je voulais qu'on la remercie. Elle s'appelle je vais louer son nom jusqu'à l'événement. C'est une dame très très pertinente. Très très pertinente qui a investi. Elle est originaire de quel pays? Elle est là à Paris. Elle a pris son argent. Elle m'a dit Mouna, elle est pas française, elle est sénégalaise comme moi. C'est pour ça que je suis tellement étonnée. Elle a pris son argent pour me dire Mouna, prends. Je te le mets sur la table pour que l'événement soit vraiment riche. Ça sera un plaisir pour nous de la rencontrer. Voilà, elle est vraiment la rencontrée. Elle n'est pas n'importe qui. Et je fais un kiss à tout le monde et on vous donne rendez-vous le 10. Voilà, donc rendez-vous le 10 décembre pour ce grand dîner gala avec toute la diaspora sénégalaise pour honorer le président Macky Sall. Donc c'était Mouna Johnson, l'ami Didier Botti, Saint-Pice Animaux de la radio fréquence Paris Purel et notre ami Franck Versé de la Guyane. On se dit à bientôt. À bientôt. Et rendez-vous le 10 décembre pour le dîner gala pour Macky Sall. À bientôt. Bañu ñu la bañolé xamna ko.